Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci présentation des box du mois d'août, donc des box bien sympatoches. On va commencer directement avec la box médium. Donc première partie, je vous présente les caractéristiques en gros des produits, dans la deuxième partie vous aurez la partie animation, je vous donne des petits trucs et astuces pour pouvoir animer au mieux voleurs. On commence directement avec le premier produit qui n'est autre que le Grit Héron, je sais pas si je dis bien mais je pense en tout cas, de chez Westin. Vous aviez logiquement 2 grammages à l'intérieur, donc c'était 14 ou 18 grammes si je ne dis pas de bêtises, et des coloris différents, ça je vous le dirai toujours, vous n'avez pas forcément le coloris que je vous présente, ça dépend des stocks des fournisseurs. Donc ça, tout simplement, c'est une sorte de cuillère ondulante, mais qui n'est pas en plomb, si je ne dis pas de bêtises, j'arrive pas à savoir, franchement. Une sorte de cuillère ondulante avec de très jolis coloris, qui a vraiment une nage très lente, qui va vraiment onduler tout doucement dans l'eau. Vous pouvez vraiment pêcher tout avec l'ondulante, que ce soit la perche, le chevesne, le black bass, le brochet, le sandre. Vous pouvez tout pêcher avec ça, la truite aussi, là c'est un peu lourd, mais si vous pêchez en grosse, en grande rivière, ça sera des poids qui ne seront pas négligeables pour pouvoir pêcher vraiment dans les gros courants. Vraiment un leurre très polyvalent, ondulante, c'est pas les leurres les plus utilisés, les cuillères tournantes sont très utilisées, mais les ondulantes, c'est tombé quand même un petit peu plus dans l'oubli, alors que c'est un leurre qui va vous permettre, vous le verrez dans la deuxième partie, de faire beaucoup d'animations différentes, et qui surtout, généralement, ne coûte pas très cher, donc si vous les perdez, c'est un petit peu moins grave que si vous perdez un leurre dur à 25 euros. On passe sur le deuxième produit. Le deuxième produit, c'est le Barba Grub de chez Sakura en 10,5 cm. Donc là, la particularité, c'est que c'est un leurre prémonté. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser en fait à un têtard géant. Je sais pas si... Enfin, vous me direz, vous, si ça vous fait penser à la même chose. Donc c'est un grub, hein, bien évidemment. Donc avec une petite queue en faucille, c'est prémonté, donc vous avez le plomb directement à l'intérieur, le petit œillet pour accrocher votre leurre, l'hameçon qui est déjà bien évidemment monté aussi. Là on a un joli coloris très naturel, c'est vraiment très sympatoche. Donc pareil, ça, vous allez pouvoir pêcher à peu près tout avec, que ce soit perche, brochet, chevesne, cendre, voilà. Vous pouvez vraiment tout pêcher avec ce type de produit-là, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'animation, vous verrez, c'est quand même plutôt polyvalent. Alors après, le petit défaut, c'est que ça va être quand même relativement fragile, c'est à peu près le défaut de tous les grubs. Si vous prenez un brochet avec, voilà, on va dire que s'il tape là-dedans, il y a quand même pas mal de chances que ça vous coupe. Mais ça, c'est le défaut des grubs. Pour que ça nage bien, il faut que ce soit très fin. Mais l'avantage, par contre, c'est que ça s'anime à la moindre sollicitation. Le produit suivant, le joli petit lipless de chez Mans. Donc, c'est le Maniac. Donc, Mans, c'est une marque qu'on ne connaissait pas du tout, qui est distribuée par Quantum. Ça, c'est peut-être un petit peu plus connu. Donc, il fait vraiment de très jolis produits. Moi, perso, ça me fait penser un petit peu à du Rapala. Au niveau des finitions, au niveau des coloris, je trouve que ça y ressemble pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Donc là, c'est un lipless, tout ce qu'il y a de plus classique. La petite particularité, c'est que je pense que vous voyez le crochet en haut. Je sais pas si ça se verra peut-être sur les gros mots. Le crochet en fait en haut est libre. Donc ça va permettre d'avoir plus d'amplitude pour le leurre au niveau de la nage. Donc c'est le leurre vraiment excellent pour faire du power fishing. Vous le verrez dans la deuxième partie au niveau de l'animation. Je vous explique justement un peu le power fishing, en quoi ça consiste. Les coloris sont vraiment bien faits. Pareil, mais la box medium, c'est le principe vraiment de cette box là, c'est que vous pouvez tout pêcher avec. Là c'est vraiment une taille de leurre qui va vous permettre de prendre de la perche de 20 cm comme du brochet de 1 mètre. Un brochet d'un mètre peut tout à fait taper sur un lipless, vous avez intérêt à être bien monté, à avoir une bonne carte si vous voulez le remonter. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Le produit suivant, dans l'ordre, c'est le... Ah oui, celui-là, très sympatoche, d'ailleurs j'ai les algues. Avec, c'est le Gobigo de chez Sakura, donc en 10 cm, donc c'était une nouveauté 2019. Donc je pense que vous le voyez, l'avantage en fait c'est son profil, c'est un leurre qui est extrêmement plat sur le dessus et sur le dessous. Donc en gros ça va lui permettre de planer un petit peu plus à la descente, il va moins descendre rapidement dans la couche d'eau, il va avoir une nage un petit peu plus planante. Par exemple, surtout si vous le montez avec une tête full ball, je pense que ça peut vraiment être très sympathique, ça va lui donner beaucoup de rolling et ça va le faire planer encore plus à la descente. Les coloris, comme d'habitude, chez Sakura sont vraiment très jolis, il n'y a rien à dire. Il a un profil vraiment différent pour une fois, avec surtout les deux yeux, donc pour l'instant ils ont l'air de tenir. Petite mention spéciale, vous nous direz, c'est quand même rare d'avoir des leurres souples avec des yeux et en plus des yeux qui tiennent. Donc petite mention spéciale pour Sakura, je vois, j'ai pêché tout à l'heure avec, j'ai monté la TP et c'est vrai que les yeux ont l'air d'être bien collés. C'est très rare pour être signalé. Le dernier produit, on va éviter de tout casser. C'est tout simplement le Soren Joker V de chez Storm. Donc c'est un hybride vraiment entre un... C'est quand même plus un finesse, mais c'est un hybride entre un finesse et un shad. L'avantage, c'est qu'en fait, ça va vraiment... Quand l'eau va s'appuyer dessus, ça va vraiment le faire bouger beaucoup plus facilement. C'est extrêmement souple, ça je pense que vous le voyez. Ce geste est un peu bizarre devant la caméra. Donc vous n'avez pas besoin de le monter avec une grande tête plombée. Parce que de toute manière, le poisson, bah, quand il va l'engamer, ça va se fermer très facilement et il va vite pouvoir aller choper l'hameçon. Au niveau des animations, on le verra dans la deuxième partie, mais c'est vraiment polyvalent, vous allez pouvoir faire un petit peu tout ce que vous voulez avec. On en a fini pour la présentation des produits pour la box medium, on se retrouve directement au bord de l'eau pour la deuxième partie. We'll be right back.
Deuxième partie de la box médium, donc partie animation, on va commencer avec le premier leurre qui n'est autre que le Grit Héron. Le gros avantage, ça se lance à une distance complètement ahurissante. Et là encore, j'ai pas forcé, déjà je me tape largement la moitié du lac. Donc première animation, ça va être le cranking classique. L'avantage de l'ondulante, c'est que vous pouvez vraiment faire tout comme type d'animation avec une ondulante. L'ondulante, pour moi, je trouve que c'est un leurre qui est extrêmement polyvalent. Vous allez pouvoir pêcher en lac, en rivière, en fleuve, vous pouvez pêcher à peu près partout. Là, en plus, c'est quand même un poids relativement polyvalent. Vous aviez 14 ou 18 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Donc du cranking classique, ça, il n'y a pas de... c'est pas très compliqué. Pour les poissons, ça cible absolument tout. Donc en cranking, en fait, là, elle va onduler comme ça, elle va faire des droites-gauches, elle va montrer ses flancs. Donc là, en plus, le coloris se prête pas trop mal, parce que l'eau est quand même bien chargé dans ce lac-là. Le lac a baissé récemment. Je pense que c'est bien balayé par le vent, donc ça a l'air de soulever un petit peu tout le fond. Et ensuite, l'autre animation, ça se lance à des distances plutôt sympas. Donc l'autre animation, ça va être d'attendre que ça se pose sur le fond. Donc comme d'habitude, là, il y a un peu de vent, c'est pas évident. Vous attendez que votre bannière se détende. Là, hop, ça vient de se détendre, je suis sur le fond. Et ensuite, on va la remonter et la laisser descendre. Et en fait, à la montée, elle va nager, à la descente, elle va nager aussi, elle va onduler doucement, elle va faire des droites gauche, elle va se descendre, elle va descendre tout doucement. Et c'est une animation qui est sympa, une animation un petit peu plus lente, c'est un peu plus planante, et à la descente, vous pouvez avoir des touches. Ça marche bien sur les perches, généralement, ce type d'animation-là, ou sur les brochets, enfin, vous pouvez tout simplement tout prendre. Du cendre aussi, du bass, enfin, voilà, il n'y a pas de... C'est vraiment à l'heure très polyvalent, ondulante, c'est pour ça que j'aime bien. Vous pouvez la monter avec un gros simple au cul, ça pose pas de problème sur les ondulantes. Et vous mettez, voilà, des tirés comme ça, vous la faites monter, vous la faites descendre, et ainsi de suite. Voilà, c'était le premier leurre, on passe directement sur le deuxième. Le second leurre, c'était le petit Sakura Barba Grub, donc petit grub pré-monté, pré-armé, pré-tout ce que vous voulez, enfin gros prêt à pêcher. L'animation, bah, ça va être un petit peu comme la première, ça va pas être très compliqué, c'est l'avantage du grub. C'est que c'est des leurres qui sont simples à animer, vous n'avez pas trop besoin de vous prendre la tête. Donc la première animation que je vais essayer de vous montrer, c'est ce qu'on appelle le linéaire. Donc on va lancer, prendre contact avec le fond. Hop, c'est bon, ça vient de se détendre. Et ensuite, tout doucement, on le fait, on essaie. En gros, le but, c'est vraiment d'essayer de le faire évoluer tout doucement, juste à côté du fond, ou juste, enfin vraiment juste au-dessus du fond. Et vraiment des animations très lentes. Et l'avantage, vu que c'est un grub, c'est que même à des vitesses très très lentes, la queue va, hop, elle va onduler, elle va tourner gentiment. Et donc du coup, vous pouvez vraiment aller tout doucement. Donc après, il faut jouer aussi avec la hauteur de votre canne, pour pas non plus trop racler le fond. Et de temps en temps, vous pouvez reprendre contact avec le fond pour voir si vous êtes vraiment trop au-dessus du fond ou si vous êtes vraiment sur le fond. Et ça nage super bien. Donc là, le coloris, c'est quand même un coloris qui est très très... Ça nage vraiment super bien. Et la queue est vraiment très très fine. Alors, on retente. Hop. Deuxième animation, du cranking. Ça marche aussi très bien. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez faire du cranking pareil, très très lent. Mais quand je vous dis très lent, bah voilà, je pense que vous voyez la vitesse où je tourne. Le leurre nage. Et de temps en temps, vous pouvez mettre des petites accélérations. Arrêter. Remettre une accélération, aller lentement, voilà, essayez vraiment de varier vos animations, de varier vos vitesses de récupération pour pas faire un truc trop monotone. Des fois le monotone ça peut très bien marcher, mais il y a des fois il va peut-être falloir un petit peu varier ces animations pour faire quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Pendant qu'il y a des poissons qui sautent à droite là-bas. Ce n'était autre que le petit Barba Grub, que j'appelle chaleureusement le petit Barba Prout. On passe directement sur le troisième leurre. Le troisième leurre, c'était le Maniac de chez Mans, donc c'est tout simplement un lipless leurre extrêmement... j'ai pas mes mots, mais en tout cas vraiment the leurre pour faire du power fishing, le lipless avec le crankbait. C'est les deux leurres qui sont cool de mettre en début de session justement pour essayer de chercher les poissons. Donc première animation, bah, c'est du cranking, ça porte bien son nom. Vous lancez, vous ramenez. Et donc c'est du leurre qui va vibrer, que vous allez pouvoir animer vite, qui va attirer les poissons de loin, qui va vraiment vous aider à repérer les poissons actifs, s'il y en a. Des fois ça peut arriver que malheureusement vous tombiez un jour à un endroit où il n'y a pas vraiment de poissons actifs et du coup va peut-être falloir changer. Donc ça c'était la première animation type cranking, donc vraiment tout bête. Et la deuxième animation ça va être pareil, mais vous allez pouvoir vraiment lui mettre des tirés dedans. Donc là on peut le laisser couler un petit peu. Et ensuite, hop, on lui met des jerks, on lui met des twitch. Donc les jerks, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, c'est vraiment ce qu'on appelle des grands coups de canne. C'est-à-dire que vous allez partir par exemple, avec votre canne un petit peu basse et mettre un grand coup sec. Alors qu'un twitch, la différence avec un twitch, c'est qu'un twitch est beaucoup moins d'amplitude. C'est des petits coups aussi secs. Donc l'avantage du jerk, c'est que ça va activer les billes qui sont à l'intérieur, ça va faire beaucoup de bruit, le leurre va nager aussi. Et des fois, bah, si les poissons sont un petit peu énervés, ça va pouvoir justement les réveiller. Malheureusement, pas de petite perche avec le lipless, mais voilà, souvenez-vous, c'est vraiment le leurre pour faire du power fishing, le type de leurre à mettre en début de session si vous êtes dans un endroit inconnu et que vous voulez prospecter rapidement, par exemple partir de la gauche pour aller jusqu'à la droite et voir si vous trouvez des poissons actifs. C'est vraiment ce leurre-là qu'il faut mettre. On passe sur le leurre suivant.
Le leurre suivant, c'était le Gobigo de chez Sakura, nouveauté 2019, un leurre avec un profil un petit peu particulier, qui est bien plat, et vous allez voir au niveau de l'animation, ça peut justement être sympatoche, c'est qu'en gros, vu qu'il est plat, le leurre va descendre un petit peu plus lentement qu'un leurre qui est vraiment tout fin. Donc au niveau de l'animation, il va y avoir l'animation classique que je ne vais pas vous montrer, c'est-à-dire du cranking, vous lancez, vous ramenez. Et là, lui, ce qu'on va faire, c'est que c'est un leurre qui nage même à très faible vitesse, donc on va les pêcher très lentement près du fond. Comme d'habitude, on attend que le leurre coule au fond. On attend que la bannière se détende, hop, bannière détendue, mon leurre est posé sur le fond. Ça c'est vraiment le truc important quand vous débutez, que vous pêchez au leurre souple, c'est l'information qu'il faut prendre en compte, c'est vous tendez votre bannière, elle se détend, vous êtes sur le fond. C'est toujours ça, ça vous permettra après de savoir à peu près le fond qu'il y a en fonction des plombées que vous mettez sur vos leurres. Vous pouvez mettre un hameçon de 3-0 dessus, 2 ou 3-0, ça ira très bien pour le Gobigo. Donc au niveau de l'animation, on va le ramener tout doucement. Hop, là j'avais un herbier, on va faire du linéaire. Donc là je suis plombé un petit peu lourd pour le fond qu'il y a. Tout doucement. Ouais, bon là je suis vraiment trop lourd, donc on va être obligé de monter la canne, d'accélérer un petit peu, et on va le faire nager tout doucement au-dessus du fond. Il nage vraiment tout seul, ça je trouve que c'est un de ses gros avantages. Surtout on est bien concentré, parce que des fois vous allez prendre des touches un petit peu fufu, il va falloir ferrer comme un gros bourrin. Des fois il y a des touches qui sont pas ferrables, malheureusement si jamais le poisson tape derrière. Donc là on est pas mal, hop, on va continuer à ramener gentiment jusqu'au bord. On me demande souvent pourquoi on fait pas de poisson dans les vidéos, c'est que malheureusement c'est rapide. On n'a pas le temps de changer de spot. Donc généralement, voilà, on fait 2-3 lancers par l'heure, on reste sur le même spot. Donc si les poissons ne sont pas là, on essaye en tout cas à chaque fois, mais malheureusement ça ne sera pas pour celui-là. On passe directement sur le leurre suivant. Dernier produit, c'était le Soren Joker de chez Storm. Donc un hybride, c'est quand même plus un finesse, mais un hybride vraiment entre un chat et un finesse, qu'il y a quand même une queue un petit peu particulière à l'arrière. Au niveau de l'animation, bon là je vais pas pouvoir vous la montrer, mais si vous avez la chance de pêcher en flot tube ou en bateau, ça ira très très bien pour faire de la verticale. Parce que c'est quand même un leurre qui est très très souple, ça, je pense que vous le voyez, ça bouge vraiment à la moindre sollicitation. Et vu que vous avez cette espèce de caudal, enfin de paddle un peu bizarre, avec une petite pellicule au milieu, vraiment la moindre sollicitation, ça va bouger à l'arrière. Donc on lance, on tend sa bannière, je suis sur le fond. Et donc, on va essayer de l'animer gentiment sur le fond. De pêcher lentement. Hop, on met des petites tirées, on le décolle, on le repose sur le fond. On met des toutes petites tirées. Et c'est vraiment le type de leurre, il n'y a pas besoin de mettre des grosses animations vu que c'est souple et vu que la caudale, enfin la queue en tout cas va bouger à la moindre sollicitation, la moindre petite animation comme ça dans votre canne, le leurre va se mettre à onduler et ça va pouvoir envoyer un signal au poisson, ils vont se dire bon tiens qu'est-ce que c'est ce truc, j'ai peut-être allé y mettre un strike. C'est vrai qu'au début quand on commence le finesse on se dit putain ça nage pas, mais en fait faut vraiment pas y penser comme ça et il faut vous dire que justement c'est ça l'avantage, c'est que justement ça met beaucoup moins de vibrations qu'un shad et il y a des jours ou certaines heures de la journée où les poissons vont pas vouloir un truc qui vibre, vont vouloir un truc beaucoup plus fin, qui va peut-être plus imiter un poisson par exemple qui est en train de crever sur le fond, ou qui est un peu en galère, ou qui est en train de fouiller le fond. Et c'est justement ça des fois qui va faire la différence. Donc comme je vous le dis souvent, je vous invite vraiment, quand vous n'avez plus de solution, à tester du finesse. Essayez vraiment de mettre du finesse, ça peut toujours débloquer une situation, même si vous n'êtes pas à l'aise avec, il faut essayer. Et c'est comme ça que vous allez évoluer dans votre pêche. Si vous testez pas, forcément, ça va, vous n'allez pas changer et vous allez être toujours restreint à un type de leurre. Et si ce type de leurre ne marche pas le jour où vous pêchez, bah vous êtes comme un con et vous allez faire un brave capot. Même si malheureusement, avec tous les leurres du monde, vous ferez toujours des capots. Ça, c'est la pêche. C'en est tout pour cette box médium, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des leurres. Comme d'habitude, si vous avez fait des poissons avec les leurres de cette box, vous pouvez nous envoyer les photos sur Facebook, sur Insta, par mail. Tout est dans la description. Voilà, nous on se fera un plaisir de les reposter si les photos sont repostables, parce qu'il y a des fois il y a des photos qui sont, bah, par exemple les poissons vraiment posés par terre, plein de gravier. Bon voilà, nous on évite quand même de poster ce type de photos, je pense que vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, sinon n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Comme d'habitude, le petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde !